au niveau du 3-3, il y a eu un travail énorme de fait chez nous par rapport à ça depuis déjà un bon moment. On avait anticipé un petit peu les choses, on s'était un peu intéressé à tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de tournois, ça se développe énormément. Les gens prennent goût aussi. Et on a une belle région de 3-3 aujourd'hui et je pense que ça va continuer. Il y a des joueurs là qui jouent en National 2, en National 3. Le niveau, c'est U20, mais ces garçons-là jouent pour la plupart en senior. Et même certains qui ne jouent pas dans des niveaux de championnat de France ou au niveau régional, on l'a vu avec certaines équipes, sont devenus des spécialistes du 3-3 et font très très bonne figure face à ces joueurs qui habituellement jouent à un niveau beaucoup plus élevé qu'eux. Je trouve que sur le 3-3, il y a assez de place pour pouvoir jouer sur un contre 1, avec ou pas les aides défensives. Et je trouve que c'est comme un autre sport que le basket en soi-même, parce qu'on n'est que 3, on est une petite équipe de 4, et je trouve que c'est plus facile de jouer en contre 1 sur ce genre de panier. Et c'est vachement convivial, enfin, toutes les équipes s'entendent bien, tout ça, c'est cool. Another tower I climb, cause an arc done well is alive beyond time. Preservation of a craft that at last I refine. From a muse to a jester, then a master refine. En tant que passionné de basket depuis très longtemps, même si j'ai pas forcément le physique pour, j'ai vraiment analysé ça et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec le 3-3. Je sais que ça a le vent en poupe. Je sais aussi qu'en 2020, voilà, ça y est, c'est fait, c'est olympique. Donc je pense qu'on va bientôt être au pic de la vraiment de un petit peu de l'effervescence autour de ce sport. Et nous, on voulait être pionniers. Pour nous, cet événement, c'était une vitrine de ce qu'on pouvait déjà proposer. C'est 3 jours sur le 3-3, un super événement de la ligue. Donc on voulait prouver que c'était possible et que c'était vraiment sympa, facile à faire et festif. Historiquement, on a le sentiment que c'est un peu la continuité de ce qu'on appelait il y a quelques années le basket en liberté. En fait, ça se croise un petit peu tout ça, toutes les cultures. Les gens qui jouaient dehors, entre eux, sur les playgrounds, qu'on a voulu essayer à un moment donné de fédérer. Donc à partir de là, il devenait un peu plus difficile de l'appeler basket en liberté aussi. C'était un petit clin d'œil. Mais en même temps, c'est un peu le prolongement. Et puis, bah, c'est une volonté, je pense que c'est une volonté politique au plus haut niveau du basket, même FIBA, hein, puisque ça va devenir en 2020 un sport olympique. Il y a des choses qui vont arriver très très vite. Au dernier bureau fédéral de la Fédération Française de Basket, il y a eu des annonces fortes sur le fameux club 3.0. Alors ça ne concerne pas que le basket 3-3, il y a bien sûr tout ce qui est nouvelles pratiques avec le sport santé, le basket 3-3 partenaire, mais il y a une grosse partie, on va dire que 60% de ce fameux projet tourne autour du basket 3-3. Et nous, Ligue Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine, avec nos amis de Poitiers, on a beaucoup de choses à faire valoir. Ça fait 4 ans qu'on travaille dessus et notamment cette compétition où c'est la première, où on fait du naming avec notre partenaire titre, donc la Maïf.